Yo les fous et bienvenue dans une vidéo de commande et aujourd'hui on va apprendre à faire un temple maya avec une seule commande, c'est parti. Donc c'est parti, on va devoir se give une commande block. Pour faire cela il faut faire slash give @p ou votre pseudo. Moi j'écris mon pseudo puisque je le trouve beau, voilà. Non je rigole. Alors après vous écrivez CO et vous appuyez sur tab. Et après... Ok. D'accord. C'est command block. Alors vous écrivez tout simplement minecraft.command block avec un tiret de 8 au milieu de commande et bloc. Voilà. Alors, vous appuyez sur entrée et on va bien sûr se mettre en créatif parce que sinon ça va pas le faire. Alors, on va se chercher un bloc de redstone et bien sûr il y aura un lien dans la description de la vidéo qui va vous envoyer vers la commande justement où il faudra copier cela. Voilà, donc ici vous appuyez sur CTRLV, donc CTRL V, voilà. Après vous appuyez sur terminer, voilà. Donc après vous placez le bloc de redstone juste à côté et vous attendez que tout ça se crée. Bien sûr il y aura écrit à la fin un truc avec finish, je sais pas quoi, comme d'habitude. On attend. Ok, j'ai reçu un message, c'est quoi ça? Ok, donc on a reçu un œuf qui s'appelle Create Maya Temple. Donc on va aller loin de ce générateur parce que si on le casse, enfin si on le pose et ça le casse, et ben notre temple de Maya ne va pas se construire. Donc vous faites clic droit par terre et voilà, il y aura un truc. Ok, s'il vous plaît. Ok, je suis bloqué dedans, mince. Alors tac, on refait, voilà, tranquille. Donc voilà, maintenant vous voyez tout qui se crée. Donc c'est vraiment trop cool, attendez, ouais, voilà, maintenant vous voyez là les escaliers qui se posent, maintenant là aussi, enfin voilà, c'est cool, oh, un petit truc à bouffer, stylé. Et voilà, et quand il y aura bien sûr écrit finish, voilà, Maya finish, ça veut dire que c'est terminé, et bah c'est cool, voilà, donc ouais, après il n'y a pas grand chose dedans, mais c'est un temple Maya, quoi, voilà. Voilà, et donc pour que cette vidéo ne se finisse pas à 2 minutes, et ben en fait j'ai encore cherché une autre commande. Donc c'est aussi une construction instantanée ou je sais pas comment ça s'appelle. Donc on va poser la commande block. On va bien sûr, il y aura encore un lien dans la description de la vidéo qui va vous envoyer vers le site où il y aura la commande, vous allez devoir copier. Et ici avec CTRL V coller et vous appuyez sur terminer. Ici ben voilà, vous posez un levier ou ce que vous voulez pour alimenter la commande block. La commande bloc, pardon. Alors vous attendez, il y aura bien sûr encore un truc dans le chat qui sera écrit, un truc avec finish ou let's go, voilà, let's go, et pour ça. Alors, donc, bah on a à nouveau reçu un œuf qui s'appelle Create Farm House. Donc on va faire tout simplement clic droit, c'est exactement comme ce truc là, c'est le même créateur aussi. Donc on attend, et ça voudrait bien se créer, ça serait cool, voilà. Donc ça commence, donc là il y a tout plein de commandes blocs et tout qui se créent, qui font cette maison, quoi. Voilà, voilà. Et là, vous voyez là, create flow, ça veut dire qu'ils ont. Ouais, bref, voilà, vous avez compris. Alors, on a à nouveau reçu un autre œuf. Si on veut faire une deuxième, voilà, on va faire la deuxième le temps que on va visiter ces petites maisons, voilà, des familles. Donc, en fait, c'est une farm. Oh, ok, ça va. Je suis pas en survival, du coup, c'est bon. Mais d'où il y a tellement de creepers et tout là. Ok, on va juste se mettre en paisible, comme ça, ils vont pas nous gâcher la vue. Alors. Donc voilà, maintenant on va faire une troisième farm house puisque voilà, c'est cool. Voilà, tac. Alors, donc, bah c'est une maison de farm en fait. Farm, ça veut dire quoi? Ça veut dire miner en fait, je crois. Voilà, donc là il y a les fours. Si vous voulez mettre, je sais pas moi, une commande bloc à cuire, enfin voilà, bref. C'est vraiment cool quand même cette maison, c'est pas comme l'hôtel que j'avais fait dans mon avant-dernière vidéo de commande. C'est un hôtel juste avec juste un hôtel et pas de mobilier dedans, c'était un peu pourri mais bon. Là il y a du mobilier, il y a carrément un lit, c'est cool, des coffres, un truc, une boîte à musique ou je sais pas comment ça s'appelle. C'est vraiment stylé, là il y a des pastèques si vous avez faim, voilà. C'est vraiment cool et... Voilà, donc voilà, c'est tout pour cette commande, enfin cette vidéo de commande, j'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, un petit peu, ça me fera extrêmement plaisir. On se retrouve maintenant dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était Zenak.